Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous allez le voir, je vais pas rester très longtemps ici, mais je voulais vous parler avant de commencer la vidéo du concept de celle-ci parce que j'en suis plutôt fière. C'est un truc que j'avais super envie de faire depuis super longtemps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Disney Bound. Betty m'a acheté quelques vêtements sur Zalando pour me proposer 3 looks que je n'ai pas encore vus. Donc on va les découvrir ensemble et à mon avis, il va y avoir de quoi faire. Donc je la laisse se présenter et on se retrouve dans ma chambre devant mon dressing. C'est parti! Hello, hello la Pixie Army, je m'appelle Betty, vous m'avez peut-être déjà vu dans certaines des vidéos d'Aurore et il y a fort longtemps quand nous avions discuté de Once Upon a Time. Mais aujourd'hui je suis là pour vous faire une autre vidéo absolument incroyable puisque nous allons faire des Disney Bound ensemble pour Aurore. Elle est au courant de rien et je compte bien m'amuser à fond et genre lui proposer des Disney Bound de personnages qu'elle déteste. Et croyez-moi, Minnie est tout en haut de ma liste. Franchement, je te comprends. Je pense que si j'avais eu l'opportunité de lui faire la même chose, je l'aurais fait, mais direct. Donc je comprends. Bon, du coup, première étape, la Pixie Army, ouvrir les cartons. Je n'ai absolument aucune idée des personnages qui ont été choisis, bien que j'ai quand même des doutes pour certains, même si j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Vu comment tu tapes des barres, je pense que j'ai raison. Elle va être furax. Donc avant d'ouvrir, je m'attends à... Donc je dirais Minnie. Ça m'étonnerait grandement que t'aies pas profité de cette occasion pour me faire ça. Vous verrez, vous verrez. Enfin, vous le savez déjà, en vrai. Après, en deuxième, tu m'avais dit qu'il y avait un personnage que j'avais pas fait depuis longtemps. En sachant que Pocahontas est ton personnage préféré, je suis quasi sûre qu'il y a Pocahontas aussi. Mais alors, le troisième... Oui, je pense que le troisième, tu le trouveras jamais, quoi qu'il arrive. Si je devais vraiment faire par rapport à tes goûts, j'aurais pensé à Merlin l'Enchanteur, ou Judy, ou alors un personnage un peu bohème, tu vois, dans ton style. Tu verras. Mais j'ai hâte parce que c'est la tenue qui me fait le plus marrer. Il y a une boîte à chaussures, un bijou improbable. Ça c'est le personnage que je vais jamais trouver, c'est ça? À moins que ce soit une Pocahontas très chic, mais... Alors, on a ceci. Voilà, il y a plein de trucs. Ah, ça fait quand même très très Pocahontas quand même, hein. Je sais pas de quoi elle parle, moi. Mais je suis pas sûre que ma Queen rentre là-dedans. C'est une gaine ou... Regarde, par rapport à la taille de mon corps. Bon, ça va, ça a l'air élastique, mais ma Queen va dépasser du haut et du bas, ça va être magnifique. Hein. Bah, ça, ça confirme ma théorie. Ah bah, ils vont voir mes doigts de pied. Oh non. Bon, je vais ouvrir le gros parce que comme je le disais tout à l'heure à Betty, mais je crois que je vous l'ai pas dit à vous, je sais déjà ce qu'il y a dans le petit colis parce que bah, je l'ai un peu ouvert. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est incapable de tenir le coup. Vous vous rendez compte quand même, c'est fou ça. Curiosité au max. Oui, au moins tu le dis. Je suis honnête, je leur dis. Bah en même temps, voilà. Je l'aurais dit, hein. Tu sais. Non mais de toute façon, je l'aurais dit. C'est-à-dire que je t'aurais pas laissé t'en tirer comme ça. Mais immense ce colis. Immense. Alors, bon bah. Vraiment. De sorcière là. I'm so happy. Et je suis censée mettre ça où? Bah tu verras. Je peux pas te dire, je te rappelle. En vrai comme ça, ça peut être pas mal hein. Je sais pas si tu vois. Bah oui oui. C'est pas tout à fait comme ça que j'imagine les choses, mais tu regarderas les vidéos après. Elle est belle la jupe, j'adore. J'aime trop le comment ça rend devant et tout. Et j'adore ce genre de couleur en plus. Alors. Je viens de voir du jaune. Ah, c'est pour Mini. Bah, moi, je l'associe à Minnie Mouse. Après, peut-être que tu m'as choisi un personnage bleu, électrique et jaune. Ce qui n'est pas complètement impossible, vu que j'ai vu du bleu flashy en dessous. Ça pourrait faire Polochon, hein. J'ai si hâte que t'ouvres le truc bleu. C'est vif, hein. Mais... Il la rend, elle est encore mieux que ce que j'imaginais, la Pixie Army. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, bah, franchement, ce qui me vient en tête, c'est Polochon, hein. Ça pourrait être le génie d'Aladin aussi, un peu, s'il y avait du bleu ciel en haut. Bon, du coup, elle a une autre théorie, c'est Dory, maintenant, c'est ça? Parce que la robe reste quand même assez irisée, avec une matière qui fait très aquatique. Le sac est jaune, je pense que le sac va avec, après, je me trompe peut-être, parce qu'il y a un autre truc encore que j'ai pas ouvert. Et les chaussures sont noires, donc noir, jaune, bleu, je dirais Dory. Ce serait assez drôle que t'aies choisi Dory, vu que j'ai pas de mémoire. Alors, voilà la chaussure. À bride. Elles sont plus marron que jaune en vrai. Hein. Ouais. Oh, j'adore ce genre de robe.
J'adore la forme. Et sache que j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai adoré. Normalement, il reste encore deux trucs. Ah bah. Voilà. Pour aller avec quelle pièce? Pocahontas. C'est très artistique. J'avoue, j'ai jamais porté ce genre de pièce de toute ma vie. Mais c'est bien, je me relook pour de vrai. Ça va être marrant. Vu qu'elle a un grand collier, peut-être que c'est pour Pocahontas. Et du coup, bah, je termine avec le petit dernier. La couleur est parfaite pour faire Pocahontas. Ah, c'est un palmier! Bon, maintenant que j'ai vu les personnages et que j'ai fait mes diverses théories, je vais découvrir du coup les vidéos en même temps que vous, la Pixie Army. Et ensuite, bah, j'essaierai les tenues qui correspondent aux personnages. Donc c'est parti, au moins vous avez ma réaction en live. Donc du coup, le premier que je dois essayer de ce que je vois sur les miniatures, c'est Minnie, quoi. Ok. La Pixie Army, je crois que cette robe me tape vraiment dans l'œil. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est en col en V. J'adore. C'est celle-là, hein. Et je trouve que c'est assez discret pour Minnie quand même. Le rouge est assez vif. Il y a des petits pois, mais ça reste très raisonnable. Ouais. Très joli. Après, je sais qu'Aurore, elle préfère les robes patineuses. Donc celle-là, elle n'est pas vraiment... Non, celle-là, j'aime bien de forme. J'en ai une en plus. Le prix est quand même assez correct. Voilà, oui, ça va. Alors après, le côté beaucoup plus... C'est l'autre avec les manches longues. Minnie avec cette robe. Merci de ne pas m'avoir infligé ça. Elle en cache-cœur, donc j'adore. Et je pense qu'Aurore aimerait bien aussi en mini, et je sais déjà qu'elle va me haïr. Bonjour à toi quand tu feras le montage, mais du coup, je sais pas, j'aime. Alors, en vrai, cette robe, elle serait passée pour le look. Maintenant, je suis très contente de pas avoir à la porter. Donc, vidéo numéro 5. Je vous avoue que j'ai un réel coup de cœur pour celle-ci. Ah, elle est bien celle-là. Malheureusement, je trouve que le rouge est pas assez vif, mais je trouve qu'en termes de vraiment de forme, elle est très très belle. Ouais. Et je trouve qu'elle correspond bien à mini. Ouais, je pense que t'as pris le meilleur compromis sur toutes les robes différentes que t'as pu choisir. Du coup, dans les recherches, on avance. La seule difficulté que j'ai, c'est que comme je suis pas hyper à l'aise avec le Disney Burn, puisque j'en ai jamais fait avant, et la seule chose que je connais du principe, c'est les vidéos que j'ai vues d'Aurore. Du coup, c'est un peu plus compliqué que ce que j'imaginais de pas rentrer dans le déguisement. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de faire un truc hyper flashy pour Minnie, dans le sens où bah, c'est un personnage qu'elle déteste, donc ça peut être très drôle de voir sa tête quand elle va recevoir les trucs hyper flash et tout. Toi Lily, t'as une idée pour Tata? Tu sais ce que tu veux qu'on prenne? Bon bah voilà, vous voyez, j'ai une petite assistante pour m'aider, et elle arrête pas de se frotter à l'écran du PC, donc je crois qu'elle aime bien les modèles que j'ai choisis, dans mon cœur. C'est pour Tata Aurore. Je vous ai pas montré tout ce que j'avais trouvé pour la simple et bonne raison que je veux quand même vous garder un peu la surprise en même temps qu'elle. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé des chaussures et que j'ai trouvé un bandeau, mais que j'ai préféré m'arrêter là et pas chercher un sac, dans le sens où j'ai un peu regardé des photos de Minnie et c'est vrai qu'elle est très peu représentée avec un sac à main. Donc je préfère garder cette option pour une autre tenue. Bon, donc voici la première tenue en mode Minnie Mouse. Je dois admettre que j'aime beaucoup la robe et j'aime beaucoup les chaussures aussi. Ça fait un look un peu vintage. Betty a choisi que je le mette dans les cheveux. Moi, pour correspondre plus à mon look, je l'aurais plutôt mis en foulard autour du cou. Après, ça reste mini, hein, donc il faut pas non plus s'attendre à ce que je saute au plafond. Mais je trouve ça assez joli et c'est une tenue que je pourrais porter. Aurore vient d'essayer la tenue. Bon, je sais qu'elle me déteste un peu parce que c'est mini. Mais moi, je suis très contente du résultat. Je trouve que les chaussures sont parfaites pour le look. Je trouve que le foulard est très bien. Juste un peu déçue parce que j'avais pas trouvé de rouge qui soit... similaire et qui puisse bien s'accorder, mais pour moi c'était indispensable qu'elle ait un truc dans les cheveux ou du moins autour du cou, donc plutôt contente. Et puis bah, je vois qu'elle me déteste pas trop, donc ça c'est cool aussi. Et du coup on va passer à la suivante maintenant, et j'aimerais lui faire un Disney Bound de Pocahontas, tout simplement parce que c'est mon personnage Disney préféré. Et j'ai déjà une petite idée de ce que je veux. Après, faut aussi admettre que si tu ne m'avais pas fait du Pocahontas, j'aurais été hyper déçue, parce que au-delà du fait que ce soit sa princesse préférée, c'est aussi totalement ses couleurs préférées. C'est-à-dire que le Betty, c'est la reine du nude. Donc si tu m'avais pas fait Pocahontas, j'aurais été très déçue. Du coup, c'est parti pour Pocahontas. Je vous avoue qu'au départ, j'étais vraiment partie pour une tenue où elle aurait eu un haut et probablement une jupe. Ouais. Et donc du coup je voulais un haut en triangle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui se noue derrière. Ah, un haut bandana. Très joli.
Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y a ça sur ce site. Ah, moi je suis pas mécontente que t'aies pas trouvé un haut comme ça. Alors, vous voyez, un truc comme ça, quoi, vraiment, qui se nouait derrière. Et je trouvais que ça faisait très. Bah, quand t'es sur une île, t'as chaud, donc t'as envie de porter un truc qui tient pas trop chaud et qui est sympa. Et... La meuf a prévu un kit de survie, quoi. Non, mais je trouvais ça vachement cool et du coup, déçue de pas avoir trouvé, mais j'aime beaucoup finalement ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que Pocahontas c'était plus dur. Au final, c'est celle que je préfère. Je dois quand même avouer que pour du Pocahontas, je m'attendais pas à ce type de modèle. Je pensais que t'allais me prendre une jupe un peu bohème. Très longue, tu vois, un truc qui aurait plus collé à ton style, mais je suis vraiment super contente de ce que t'as trouvé, enfin, c'est vraiment canon. Hein. Bah écoute, en tout cas, du rendu que j'en vois, je trouve pas que ça fasse déguisement. Hein. Non, mais du coup, je suis contente finalement des choix que j'ai fait, ça a été plus difficile que ce que j'imaginais vraiment quand tu fais pas de Disney Band et que t'as pas, voilà, et que t'as pas un choix très vaste, qui peut faire un peu mignon, qui peut rappeler des personnages, etc. C'est vraiment pas simple. Et donc au final, je trouve que c'est plutôt réussi. Puis bon, de toute façon, elle est tellement jolie que tout lui va, celle-là. Oh, t'es trop chou. Mais profitez-en parce que vous allez bientôt plus me voir habillée comme ça. Hein. Re-coucou, donc je vous retrouve avec ce que j'ai sélectionné. Donc j'aime mais ce haut, il est parfait. Ce haut One Shoulder qui ira très bien, je pense, dans le... C'est totalement ce que j'aurais choisi. Donc j'hésite avec Ah, elle était bien celle-là, jupe. Celui-ci qui est beaucoup plus beige pour le coup, beaucoup plus rosé limite. Ouais, non, le premier homme aurait... le deuxième homme me serait pas allé. Peut-être un peu plus simple. La jupe ce serait celle-ci. Donc j'en ai pas trouvé d'autres parce que j'aurais préféré qu'elle soit plus courte. Mais j'en ai pas trouvé d'autres à franges et je pense que pour Pocahontas on peut pas éviter de prendre à franges. Et au final on n'a pas fait de franges les gars. Bah, on a totalement évité la frange. Ça aurait vachement contrasté alors que là on dirait vraiment limite un ensemble. Bah au départ je voulais vraiment un truc plus doré, moins pâle. Et au final j'ai trouvé ça beaucoup plus joli et je me suis dit tant qu'à rappeler le personnage sans pour autant faire un déguisement, autant que ce soit exactement comme je voulais. Et donc évidemment le collier pour Pocahontas, alors j'explique, sur Zalando il y a littéralement aucun collier avec du turquoise dedans. Je pense avoir passé peut-être un quart d'heure à chercher et je tenais à ce qu'il y ait du turquoise parce que je trouvais que c'est quand même une couleur qui est importante chez Pocahontas et du coup j'ai pris un petit bracelet de Thomas Sabot en corde. Du coup j'aime bien le côté corde parce que comme ça fait vraiment quand même voilà, on n'est pas dans un endroit où ça pullule de supermarché, de bijouterie, donc je trouvais ça cool. D'avoir un petit rappel. Bon, le palmier, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais bon, du coup, c'était le seul qu'il y avait avec du turquoise. Du coup, je me suis dit, bon, elle vit probablement sur une île. Palmier, île, ça fait quelque chose, quoi. Et puis, le plastron, écoute, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un air du collier qu'elle a. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui ressemble, et pour le coup, je pense que c'est un peu la seule chose sophistiquée vraiment qu'elle porte, parce que le reste c'est quand même une tenue assez simple, qui lui va très bien, ceci dit j'adore, mais qui est quand même assez simple, et pour le coup le collier il est quand même assez sophistiqué, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant pimper la tenue avec ça. Et les chaussures, du coup je l'ai pas non plus filmé, mais les chaussures, je voulais un truc très simple, en corde, etc. Il n'y avait pas beaucoup de choix non plus, du coup je me suis dirigée vers ce qui me semblait être le plus simple et ce qui, dans lequel elle serait le plus à l'aise, parce que je trouve que Pocahontas elle est quand même dans une tenue, elle est pieds nus de base, et bon je voulais quand même lui donner des chaussures pour pas qu'elle soit pieds nus, je trouvais ça bizarre vu qu'on est censé porter ça dehors, donc je voulais pas la mettre pieds nus. Dans cette tenue elle sera belle, classe, et elle aura pas mal aux pieds, et ça fait toute la différence. Ça, on adore. Je suis assez contente du choix de Pocahontas. Je pense que c'est des choix que j'aurais globalement pu faire aussi. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Moi, ce que j'aurais peut-être choisi, par contre, plutôt que du turquoise, mais c'est vrai que ça en aurait manqué dans la tenue, c'est un bracelet qui se serait mis là-haut, tu sais, pour rappeler le côté rouge de Pocahontas. Mais ouais, non seulement j'imagine que c'est hyper difficile à trouver, et ça aurait pu très vite faire déguisement, surtout avec le gros collier. Donc je pense que c'est la meilleure association possible, et on va la découvrir ensemble. Bon, voici ma Pixie Army pour le deuxième look Pocahontas. Pour l'instant, je préfère parce que bah forcément, j'aime pas le personnage de Minnie. J'adore le haut, je le trouve magnifique. C'est pas du tout le genre de haut que je porte en temps normal. Le collier, j'étais pas du tout convaincue sur le papier. Et au final, une fois porté, je trouve que ça correspond parfaitement à Pocahontas. C'est un peu une version plus moderne et plus luxueuse du personnage, je trouve. Et j'aime beaucoup cette interprétation. La jupe est absolument sublime. Mais alors, je vous dis pas qu'à l'épreuve, ça a été de rentrer dedans. Je suis en apnée depuis tout à l'heure. Elle est un peu trop serrée, malheureusement. Et c'est dommage parce que sinon, je la trouvais absolument trop trop belle. J'adore la forme, j'adore la couleur. Elle va très très bien avec le haut. Et après, bah, on a les chaussures qui vont parfaitement avec. Et dont la couleur est assez simple, donc qui s'assortissent. Et effectivement, ça aurait été dommage de mettre pieds nus quand même. Je suis...
subjuguée, elle est magnifique dans cette tenue. Bon, il y a un petit problème de taille, on vous le cache pas, mais elle est splendide. Franchement, j'adore et je suis très très fière de moi. Bon, du coup, on va passer au dernier look, la Pixie Army, où ça va être le reveal. Encore une fois, je pars sur Dory, mais si jamais dans les commentaires vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à nous les dire. Donc maintenant, il est temps de vous dévoiler le dernier personnage que je vais faire pour Aurore. Roulement de tambour, il s'agit de Dory, yes. du monde de Nemo. Ça prouve que tu l'as bien fait. Hein. Qui a également eu son propre dessin animé. Alors si j'ai choisi Dory, c'est parce qu'Aurore est vraiment un poisson géant, qui ne se souvient jamais de rien. Et je trouve que c'est assez drôle de faire ça. Grave. Non mais en tout cas je trouve que c'est une super idée. Alors effectivement maintenant que j'ai vu les différentes pièces, ça me paraît assez évident. Donc ça veut dire que tu l'as globalement bien réussi quand même. Alors après on va voir à quoi je ressemble là-dedans. Puisqu'on est quand même sur une Dory tenue de soirée. Mais sinon à part ça ça a l'air pas mal. Donc pour vous expliquer c'est même là très compliqué parce que forcément ce qui dit Dory dit hein, vraiment une dominante de bleu, donc ça c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes, mais c'est plus tout ce qui est jaune parce que malheureusement sur Zalando 2 il n'y a pas tout ce que j'aimerais en mais le sac jaune. C'était une bonne idée, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour le moment. Alors j'ai d'abord trouvé cette jolie petite robe que elle est belle celle-là, très jolie. Après mon petit souci juste c'est que je trouve que la couleur est peut-être trop forte par rapport à Dory. Ah ouais, trop vive. Donc voilà. Ah bah non, elle est archi vive. J'ai aussi trouvé celle-ci. Ouais, moi ça m'aurait pas semblé choquant. C'est très aquatique. Donc la couleur effectivement n'est pas la même que Dory, mais je la trouve très aquatique. Ah, je suis pas fan. Donc j'adore. Après, ouais, ma petite préférée, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Et surtout, je vous jure, j'ai tellement hâte de voir la tête d'Aurore quand elle va ouvrir le colis et voir cette robe. Je pense que ça va être très drôle parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui porte des couleurs aussi vives et des robes de cette forme-là, même si elle adore les robes de princesse, celle-là elle est quand même très très extravertie. Donc j'ai hâte de voir sa tête. Du coup voilà, j'hésite entre les trois, sachant que celle-là est très jolie aussi et que la première me plaît aussi, mais que du coup peut-être qu'elle fait peut-être un peu trop simple au final par rapport à ce que j'ai trouvé d'autre. Bon bah du coup j'avais raison pour le fait que c'était Dory, donc je suis assez contente d'avoir reconnu avec les couleurs. Je suis curieuse de voir ça et c'est parti, allons enfiler cette tenue. Comme je le disais à Betty, je ne marcherai jamais avec des talons si hauts pour la simple et bonne raison que comme j'ai des tout petits pieds j'ai l'impression d'être sur la pointe. Mais c'est vrai que ça fait un pied qui est assez joli et j'adore l'idée des pierres parce que je trouve ça très aquatique. La couleur de la robe est absolument parfaite, la forme est belle. Ça fait très sirène. Et j'aime aussi beaucoup l'idée de proposer un Disney Bound en tenue de soirée. Parce que bah clairement si j'étais invitée à un événement où je pouvais m'habiller aussi, enfin dans ce style, bah j'aimerais bien faire un Disney Bound et je trouve ça très original. J'adore le sac. J'aime pas la couleur de la hanse pour être honnête. Je trouve que l'argent avec le jaune ça jure de ouf. Et c'est dommage parce que si elle avait été dorée, je pense que c'est un sac que j'aurais pu remettre assez facilement. Mais par contre je trouve qu'il fait totalement le job sur la tenue. Et je trouve qu'il est vraiment très approprié. Pareil pour les boucles d'oreilles, c'est pas mon style, c'est pas le style que je porterai au quotidien, mais je trouve ça absolument parfait pour la tenue et tout, donc je valide. La tenue de Dory que moi je trouve magnifique, et pour rebondir sur ce qu'elle disait sur les chaussures, c'est exactement pour cette raison que j'ai pris cette paire. Je trouvais qu'il y avait un côté très corail dans ces chaussures, les coraux qu'on peut trouver dans la mer et qui peuvent être de toutes les couleurs possibles et qui peuvent briller aussi justement avec l'effet de la mer. Je trouvais que ça rendait vraiment quelque chose de bien, et puis je suis partie sur une Dory très sophistiquée et très classe, parce que je pense que Aurore mérite de se voir dans des tenues comme ça, dont elle n'a pas l'habitude et qui la mettent vraiment terriblement en valeur. Tout est trouvé, je suis super contente. J'ai hâte de voir le résultat. Un peu déçue de pas avoir trouvé toutes les pièces que j'avais en tête, toutes les couleurs exactement, mais j'espère que la vidéo vous plaira. C'est une vidéo qu'on voulait faire depuis très longtemps avec Aurore et qui est chère à notre cœur parce que en tant qu'éternelle fan de shopping, je pense qu'elle avait très très envie qu'on fasse ce genre de choses toutes les deux. C'est vrai. Donc j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous et j'ai hâte de voir le résultat et j'espère que ça vous plaira. Plein de bisous la Pixie Army. Comment t'es trop mignonne. Bah effectivement pour moi c'était vraiment une vidéo que je voulais faire depuis super longtemps. Ça fait très longtemps qu'on en parle avec Betty et je suis super honorée déjà de la revoir sur la chaîne. Parce que bah on a fait des vidéos mais qui sont assez anciennes maintenant. Alors que bah notre amitié est toujours là depuis toutes ces années. Je suis émue, bah super. On adore. Elle va pleurer. En plus j'ai la tenue parfaite, alors pour cet Oscar je tiens à remercier chaleureusement Betty. Non, plus sérieusement, je trouve que t'as fait un travail qui est absolument incroyable sur les tenues, vraiment. Pour quelqu'un qui fait pas du Disney Bound, de toute façon je sais que t'as l'œil pour la mode et tout. Forcément j'aime un peu moins Minnie parce que bah, c'est un personnage que j'aime pas, mais
En termes de tenue, c'est celle qui correspond le plus à mon look de tous les jours, donc c'est assez amusant. Je pense que si je devais retenir une tenue, ce serait la Dory, parce que c'est une révélation pour moi, dans le sens où, effectivement, on est à 1000 lieues de ce que je peux porter en temps normal, et je trouve que c'est une super idée, et que, effectivement, la robe me va plutôt bien. Et j'aime aussi beaucoup la Pocahontas, qui est la tenue révélation, dans le sens où je pourrais la porter au quotidien. Je suis contente, c'était cool, en tout cas. Ouais, je suis vraiment super contente d'avoir tourné cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu également. N'hésitez pas à nous dire, du coup, dans les commentaires, quelle est votre tenue préférée. Si vous aimeriez revoir cette vidéo... avec quelqu'un d'autre ou sur un autre site avec Betty, bref, ou que je lui fasse la même chose, ça pourrait être très drôle aussi, je pense. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Ça y est, elle a tout essayé. Concrètement, je trouve que j'ai fait un bon job. Je veux pas m'envoyer des fleurs, mais je trouve que ça lui va très bien. Bon, il y a eu un petit flop sur la taille de la jupe. J'ai vachement de mal à choisir. Bizarrement, je lui ai acheté la robe bleue un peu pour me marrer. Au final, je trouve qu'elle lui va extrêmement bien. Donc, j'hésite beaucoup entre la tenue Pocahontas et la tenue de Dory. Mais... Bah Minnie, j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime toutes les tenues, mais je trouve que ce bleu électrique et te voir en tenue soirée, c'est tellement différent que du coup, ça me plaît beaucoup. J'irais quand même Pocahontas parce que ça reste mon personnage préféré et qu'elle le porte extrêmement bien. Mais en tout cas, c'était vachement cool de faire cette vidéo. J'ai vu le rouge et le jaune, c'est intéressant comme... Je suis en mini. Comme choix, t'es en mini. Mais ça se voyait pas. Minnie, elle a des chaussures jaunes. Bah oui. D'accord. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le collier surtout. Parce qu'il est doré. Ouais, mais après, les couleurs, ça rappelle bien Pocahontas, quoi. Bah, mon avis est que c'est très joli. C'est très joli, voilà. Ouais, tu es... C'est très bleu. Tu reconnais Dory ? Bah, c'est le bleu fait penser à Dory, oui, clairement, pas à Cendrillon, quoi. Et alors, entre les trois, t'as préféré ? Je sais pas, les trois sont très différentes, vraiment très très différentes des unes des autres, du coup. Ouais, les trois sont validées, ouais. Mais même la pochette et tout, franchement, c'est sympa, hein, le bleu et le jaune, de toute façon, ça va toujours bien ensemble. Ah bah oui, c'est Donc, bien. Donc ouais, c'est cool.